La canirandonnée est une activité à la portée de tout propriétaire de chien qui permet une évolution différente et sans dérangement du milieu naturel. Elle nécessite peu de matériel, un harnais à enfiler au chien et une longe élastique à relier à la ceinture de votre sac à dos. Dans ce genre d'expédition, la logistique est un point très important. Nous sommes partis mi-juin et à cette époque, la neige est encore très présente en altitude. La météo est aussi très incertaine. Partant en quasi-autonomie, nous avions donc prévu une tente pour les chiens pour qu'ils puissent se reposer au sec. Nous avions aussi organisé des approvisionnements en croquettes en poste restante toutes les 3 à 5 jours. C'est avec beaucoup d'émotion et d'entrain que nous partons enfin de Rialé au terme de plus de 3 mois de préparation. L'ensemble des hébergeurs suscités nous a accueillis avec nos 3 chiens. Il y avait parfois quelques réticences au départ, mais nous avons toujours trouvé une solution. Des obstacles infranchissables pour nos chiens ont pu être évités en obtenant des informations sur les parcours auprès des locaux. Cette échelle aurait pu nous stopper net si nous n'avions pas su qu'il existait un autre passage, périlleux tout de même. Peu à peu, la neige laissera place à une végétation verdoyante et éclatante. La progression avec les chiens en attelage permet plus de rapidité et limite la divagation des chiens. Dans cet espace souvent pastoral,
et riches d'une faune qu'il est préférable de ne pas importuner. Ils sont heureux de marcher avec nous et de nous rendre ce service. Nous ne les forçons jamais, ni ne les obligeons. Bien souvent, ce sont eux qui mènent le rythme. La végétation est luxuriante. Dans le Piémont italien, nous avons pu observer l'ensemble de la faune et de la flore endémique des Alpes. Malgré des conditions souvent menaçantes, la météo a été favorable dans l'ensemble. Nous avons été confrontés à tous les extrêmes du climat en altitude. Ici, un effet de fun. Et voilà ce matin ce que ça donne. Voilà, donc il pleut à torrent. On est dans le trou du cul du monde. Et on est censé aller à Carcoforo ce matin, monter à 2200 mètres d'altitude, alors que le temps est dégueulasse. Devant. Un partenaire canin est un élément motivant pour les enfants. William et Diego s'entendent parfaitement et forment un joli duo. Allez mon chien. Stop. Allez Diego, devant. Devant. J'ai vécu ma semaine qui était assez difficile, mais avec de beaux paysages et beaucoup de gens très sympathiques. J'ai aimé être avec les chiens. J'ai aimé aussi les gens que j'ai rencontrés. J'ai particulièrement pas aimé la dernière randonnée parce que on ne trouvait pas le chemin. Ça m'a apporté du plaisir à être avec papa, Léo, Chip, Diego et Sherpa. Nous avons adapté la longueur des étapes prévues lors de la présence de William, ayant été auparavant surpris par les distances à parcourir. Les étapes de contournement des parcs nationaux, de Grande Paradiso et du Mercantour n'ont pas été faciles à mettre en place. En effet, seuls les grands itinéraires de traversée des Alpes sont entretenus et les chemins indiqués sur les cartes italiennes ne sont pas toujours praticables. Donc voici Willow et Joël en train de finir la montée.
Le fait de traverser les troupeaux avec nos chiens n'a jamais posé de problème. Nous avons sans doute eu la chance de ne pas tomber sur un patou agressif. Chip, doucement. Allez, va boire. La présence d'eau sur le parcours était un élément primordial pour nos chiens et pour nous. À part sur deux ou trois étapes, nous n'avons jamais eu à la chercher, la montagne regorgeant de cours d'eau en tout genre. Le col est 7 mètres plus haut. Allez, hop, allez, ah, on y va, on y va. Attends, attends. Là, je vous dis, c'est un panorama de ouf. Donc ce fameux Mont Viseau, là. Bah, on a des kilomètres à faire aujourd'hui. 25. Je sais pas combien de dénivelé. Allez, je pense à vous. Je pense à vous en bas dans la vallée qui avait chaud. On arrive au col Saint-Bernard et, pour la première fois depuis des centaines de kilomètres à pied à travers la montagne, on voit la mer. Une pensée pour toutes ces montées, toutes ces descentes, tous ces cols, tous ces paysages. On en a bavé parfois, mais la récompense est à la hauteur. On est fiers de nous, fiers de nos chiens, vraiment de super chiens. I could really not know.
Ah, c'est une marque.